Et nous sommes de retour pour le match le plus important de Fnatic dans ces Worlds. Il faut absolument gagner, sinon c'est l'avion direction Berlin. Ouais, ce serait la fin de leur parcours. Et une sortie par la petite porte après un 0-3 dans les matchs retour. Donc leur adversaire, les Edward Gaming, viennent tout juste de sortir d'une victoire tout en maîtrisant contrôle face aux Cloud9. Donc ils sont en forme. Ils sont en forme, mais les Fnatic, quand ils sont dos au mur, c'est là qu'ils sont plus dangereux. Ah là, la zone de confort de l'élimination. Et après, eh bien, il faudra attendre le dénouement si jamais Fnatic gagne entre Edward Gaming et T1. On peut toujours mettre une pièce au Cloud9 qui emporte une autre personne dans la tombe avec eux. Et il y a un monde de 3-3. De 3-3 pour... Non, il n'y a plus de monde de 3-3. Attends, il y a déjà une équipe qui a 4. J'ai du mal à suivre. Non, tout le monde est à 3. Tout le monde est à 3. Enfin, 3-1 T1, 3-1 EDG, 2-3 Fnatic et 1-4 Cloud9. Ok, donc Fnatic avec cette victoire pour arriver en 3-3. Et après... Il faut que... Eh bien, le destin fasse bien les choses. Ah ouais, et il faudrait juste que les Cloud9 battent T1, c'est tout. Ce serait pas mal. Ah, c'est tout, ça, normal. Ouais, franchement. Quelque chose qui a de grandes chances d'arriver, bien sûr. Tu fasses un effort, un peu. Donc on pourrait avoir un triple tie-break. On peut. Bon, ça dépend quand même de Cloud9 qui bat T1. Voilà, donc, en vrai... Et déjà, Fnatic doit battre Edward Gaming. C'est aussi pas plus mal que finalement on ait un tie-break pour la deuxième place contre EDG. Mais pour ça, il faut d'abord les battre une première fois. Ouais. Et on va voir comment ça va être fait. Donc dans les deux premiers matchs que nous avons vus, on a eu droit une fois à la Poppy de Razor qui a fait un très très bon early game. Mais pour l'instant, la constante dans les matchs retour de Fnatic, c'est que Humanoid n'a pas le droit de toucher à son Azir. C'est normal, je pense qu'on a pas mal ciblé. On a vu qu'il a été bien moins efficace avec son Victor. Donc ça m'étonnerait pas qu'on continue le target. Red side pour EDG. Donc un petit ban newbie. Petit ban Kate, petit ban Azir. Le Aatrox, on a vu qu'il était ban côté Fnatic, ce qui est une première balle tirée dans son propre pied. Ouais, on verra s'ils le font encore une fois parce que peut-être que Flandre ne prendra pas immédiatement le Aatrox. Le Maokai est peut-être une priorité un peu plus élevée. Mais le Aatrox est toujours retiré. Il sort tout sa ban Aatrox en... red side, enfin blue side. Ok, le Azir, aucune surprise. Aucune surprise là pour l'instant dans ce début de draft côté Edward Gaming. Maintenant pour les Fnatic, il faut voir s'ils ont envie d'ouvrir le Maokai, la Sejuani, ou s'ils ont envie encore d'attaquer la mid lane pour avoir un bon match-up pour Humanoid. Et là, ça appelle un peu la Akali, ce ban Leblanc. Ouais, alors est-ce qu'on va blind une Akali pour Humanoid? On a du mal à y croire quand même, hein. Blind en first pick avant Maokai et Sejuani, ce serait très surprenant. Dernier ban pour les EDG. Un petit ban Mao en vrai. C'est pas dégoûtant. Le choix d'Edward Gaming va se porter sur le ban Maokai, voilà. En effet. Donc est-ce qu'on prend Poppy, Sejuani, Akali? Ce sont les trois picks les plus prioritaires normalement. Prends Poppy maintenant, tu te prends instantanément une réponse Trundle. Oh, et le Victor une nouvelle fois. Un first pick Victor comme contre C9. Alors, il y a beaucoup de choses à venir. Il y a le Horn aussi qui est complètement disponible pour Flandre. Horn c'est Juani. Scoot peut très bien se permettre une Akali. Ouais, ils peuvent c'est Juani Akali. Dès maintenant, s'ils veulent le souhaiter et s'ils veulent. Enfin, s'ils veulent pas montrer d'autres lanes, s'ils veulent pas montrer d'autres cartes et juste avoir le match-up qui soit répondu immédiatement. Et avoir surtout un mêlé. En vrai, ils peuvent tout simplement prendre Sylas. Hein. Sylas marche très bien aussi. Et tu laisses le mystère sur le flex. Et finalement, ce sera tout simplement Akali. On va pas s'embêter du côté de Scout. Donc il va enchaîner deux games d'Akali. Oh, je pense qu'il a pris beaucoup de plaisir dans ce qui était juste avant. Ouais, après, il y a eu un petit dive qui s'est pas si bien passé que ça, où il a cancel les dégâts de son E avec son R, mais... Disons que si tu prends Poppy, là, maintenant, tu te prends un Sejuani Trundle en top jungle. Ouais, t'as plus envie de jouer, là. Mais après, contre Akali et contre Sejuani, le pick est très bon. Maintenant, c'est-à-dire qu'ils font un pick qui tient au top. Tu peux pas, le Horn est dur à jouer parce que du coup tu vas avoir quelques difficultés, tu vas donner énormément de résistance à Tietje. Et donc ils vont attendre, ils vont tout simplement lock Aphelios. Le Aphelios en 3 comme contre C9. Ah, ça c'est un trend de l'angle hein, normalement pour Tietje. Pourrait le prendre dès maintenant, en effet.
Oh. Une Fiora. Puis après, on va la couvrir de ban. Encore moins. On met encore moins fan. Le Jax blind pick contre une Poppy déjà draft. Je suis vraiment pas fan de cette réponse Fiora à l'aveugle. J'ai un peu de mal. J'attends de voir exactement avec quoi ils vont la couvrir. Mais ça valide la Sejuani dans la jungle et ça donne encore plus de valeur à la Poppy Drazor qu'en fait. Bah oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Après, il y a des tricks intéressants. Tu peux Q et riposte en même temps avec Fiora et proc immédiatement le stun qui est dans la zone de Poppy. Mais normalement, la Poppy va beaucoup gêner la Fiora et globalement tout le top side. On enlève la Renata d'Ilisang. Est-ce que Ilisang sera assez confiant? Est-ce qu'il voit un angle de pike ou ce genre de pick avec lequel il peut faire des miracles? Il y a aussi un petit Tahm-Kench hein, à la limite. Hein. Tout simplement. Pour Ilisang. Même le Zilean d'Ilisang. Oh. Ça voudrait dire que Meiko aurait pris un Rakan en blind et j'y crois pas. Rakan qui n'a pas été si présent que ça depuis le début de ces Worlds. On a eu un petit peu, c'est ouais. Pas tant que ça. En vrai, on a une méta très très variée. Hein. Même la Lulu que nous avons vue un peu plus tôt de Sven était la première Lulu de ces Worlds. Donc on continue d'accumuler. Et quelle Lulu? Enfin, on va battre des records. Hein. On va battre des records de nombre de champions. Battu. Déjà battu? Ouais, c'est déjà battu le record de nombre de picks depuis 2018 ou 2017. Ah, je crois que ça prenait en compte que les groupes et pas les BO5 après. Mais si c'est le cas, on peut tout de même être content. Il y a quelques picks qui sont OP. Je pense que Maokai et Aatrox sont les meilleurs exemples. Et Yumi, ouais. Et Azir. Et ça fait 4. Ça fait 4. En vrai, 4 OP, non, ça va. Ça va. Ça va. Il y a eu des années, je pense, l'année du mort de Kaiser, Darius et compagnie, là, qui avaient laissé des traces sur la méta. Parce que bon, si Udyr était open, je pense qu'il serait aussi perma-pick ou perma-ban. Attends, le gros Aphelios hein, quand même pour terminer cette draft côté EDG. Alors bon, le Gragas qui est pas si évident à jouer que ça dans Fiora, parce que faut mettre son body slam tout de même. Quel Gragas aussi pour Wunder, il nous en a joué des tanks, des off tanks dès qu'il joue au Moissonneur Nocturne. Ouais, après contre plusieurs contre Fiora, si tu veux gagner tes trades, la partie est un peu AP tout de même. Ah ouais, je suis d'accord. Donc pas Aphelios Jinx, plutôt pour Viper. Ouais, le Aphelios est en face pour upset. Ah oui, autant pour moi. Donc on va de nouveau avoir cet Aphelios Jinx comme dans la première game C9 Fnatic. Et Meiko qui va donc nous montrer une nouvelle game de Thresh. Ça va être sa troisième déjà dans ses group stage. Il y a un peu cette réponse Gragas. C'est-à-dire, je trouve ça dommage qu'on puisse blend pick une Fiora top sans jamais se faire punir. Parce que le Gragas va pas la déranger plus que ça. Va pas l'empêcher de l'outscale, va pas l'empêcher de side lane. On se retrouve avec un bon 1-3-1 à venir jouer pour EDG. Peut-être qu'au début, on aura les outils du côté de Wunder, réussissant un peu plus le sustain pour avoir au moins une bonne entrée de lane et la zoner à ce moment-là. En tout cas, s'il y a bien un Gragas auquel on doit faire confiance, c'est à celui de Wunder. Je pense qu'il a montré à maintes reprises qu'il était vraiment un maître du champion et qu'il arrivera à faire de très belles choses. Mais on termine tout de même avec un topside, avec beaucoup de dégâts magiques pour les Fnatic. Et upset aura beaucoup de... Il y aura beaucoup d'importance. Il va falloir un bon gros Aphelios pour que les Fnatic aient une chance de jouer les teamfights dans de bonnes conditions. Ouais, après, il y a une Poppy hein, pour venir complètement empêcher le go-in sur upset, pour venir gérer cet Akali. Donc, elle passe cette draft. Faut pas prendre l'eau sur la phase de lane. Ce qui est faisable. Attends, on peut aller arracher le 3-3 pour Fnatic. Et dans la game précédente des Fnatic, on a tout de même vu Razork qui avait... fait un très bon passage à la mid lane, un très bon passage à la bot lane avec sa Poppy. Donc on peut de nouveau regarder le jungler espagnol des Fnatic pour espérer qu'il lance son équipe dans les bons rails et garde des espoirs de sortir de ses group stage au minimum à la deuxième place. Et on est parti dans cette dernière game de... Alors peut-être dernière game, mais hors tie-break en tout cas. Sur cette game décisive. Voilà, en tout cas, ils ont besoin de cette victoire à tout prix. Pour les Edward Gaming... Bah on a une qualification qui se joue dans ce match. Tout simplement. Ça validerait également le positionnement actuel des T1. Petite tentative d'invade de la part là des Fnatic. On rappelle tout de même que le match aller entre Fnatic et EDG, c'était presque gagné sur une tentative d'invade des Fnatic. Hein. Ça s'était mal passé et on avait récupéré des kills côté EDG.
Mais cette fois, ça se passe bien. Juste de la vision installée aux deux Red Buff. Donc tout le monde a l'information de part et d'autre. Et on va commencer tranquillement à ces fameux Red Buff pour les deux junglers. Ouais, alors la Poppy qui va commencer bot side. Ah, le truc, c'est que t'as un peu de setup. T'en es pour aller chercher une Fura avec un Gragas et une Poppy. Il y a moyen de venir déranger un peu Flandré. Oh, ça fait du bien à Flandré, ça. Passage niveau 2 sur la première wave pour la Fura. Reste à voir si ça lui sera vraiment utile vu qu'il va arriver sur la lane en deuxième. Que Wunder est déjà là. On a l'information sur le starter, du coup. Ouais, est-ce qu'il va aller directement à son raid? Il va pas à son raid, Razork. Donc il va pas donner le... il va pas donner l'information. Ouais, il va pouvoir repartir après dans l'autre sens. Du coup, je suppose qu'il va quand même finir vers sa bot lane. Parce que je le vois pas essayer de faire un early cheese gank. Ouais, c'est un peu le cycle qui lui permet de faire Corbin, tout son top side, tout son bot side, Carapater bot et les Corbins sont de retour. C'est ça. Donc c'est un passing tout de même assez intéressant pour les junglers dans lequel tu peux incorporer des ganks si nécessaire. Ah, Humanoïde qui prend des bons premiers trades contre Scout. Avec son Victor, s'il arrive à garder un peu la grotte, s'il arrive à mettre cette Akali à l'amende et à couvrir un peu sa bot lane, ce serait vraiment parfait. Parce que c'est vrai qu'Humanoïde on l'a pas trop vu dans, dans les matchs d'avant. On sent la différence Humanoïde avec Azir et Humanoïde sans Azir. Ouais, c'est pour ça, il a toujours terminé avec des bons dégâts. C'est sûr, c'est le travail de Victor, t'as de la range et tout. Mais il a été beaucoup moins clutch. Le passage de Tietje ne fonctionnera pas. Il est passé sur une pink qui a été positionnée par Razork. Elle est belle cette pink, hein. Elle fait beaucoup beaucoup de bien. Et Tietje qui va s'apercevoir de la deuxième ward, pas de la première. Ça permet à Emmanuel de continuer d'essayer de crash des waves. Probablement d'avoir un bon petit recall gratuit. Je me demande s'il a envie de le prendre. Il pourrait rester pour juste sécuriser le scuttle botside à son jungler. On va voir parce que est tout de même fine encore en termes de mana. Elle a parade ça, ça pardonne pas. Hein. Après on n'a pas encore vu se faire stun au cours du body slam. Non, si tu mets ton body slam, tu le mets au corps à corps. Ouais, c'est vrai. Quand t'es sûr de que la parade va pas passer. Et même là, un joueur de la trempe de Flandré, il est capable de, la, de le pré-shot. Hein. Oh, petite tentative, Viper Meiko, il est strong. Le cancel de back qui peut éventuellement coûter cher. On a Razor qui est là, le Gravitoum. Mais je pense pas qu'on ait de quoi arriver pour stun contre un mur. Le petit zap, le river zap de la part de Viper. Une strat inconnue, réservée aux champions du monde. Quand on a vu des rivers filets de calibre ouais, oui. Sur Kiflin. il était criminel celui-ci. Donc on a vu de tout. Bon, malgré la bonne pression mid-lane mise par Humanoïde, c'est un double carapateur pour Tietje, ce qui met tout de même très très bien cette CGNI. Ouais, on s'est pas assez pressé pour aller faire celui botside, alors qu'on avait un rebond de wave. Oh, on veut dive. Oh, on veut dive. Pas dive, on peut pas dive avec tous les summoners. Il y a tout, il y a tout dive. Et le grab, mais l'aggro qui a été récupéré dans les pyromasheurs, le flash out, c'est une petite catastrophe. Et le grab 1 pour 1 pour le moment. Oh, par contre, on n'a pas repris l'aggro. Ça va, en vrai, je pensais que ce serait bien pire que ça, mais le fait qu'on tue Viper, il a plus de flash, plus de heal, il perd son farm, il perd de l'XP. Attention, Humanoïde, par pitié, ne meurt pas. Ah, il va flash out, quoique, flash in de la part de Tietje, le flash out du Victor, le site même trouvé, flash in, Shuriken flip. Et Victor va tomber. Non, Humanoïde, c'est trop important. En plus, et là il se fait freeze. Gratuit, bah il va TP hein, obligatoirement, mais c'est trop facile pour Scout, ça le met trop bien dans sa phase de lane. Ouais, c'est un TP de chaque côté. Alternateur X-Tech déjà obtenu par cet Akali. Pendant que Wunder, lui, fait le travail, il a utilisé sa téléportation alors que Flandré a encore la sienne. Et au passage au bot, on est resté un peu plus longtemps pour le Thresh. Oh, il n'y a pas de riposte. Il n'y a pas de riposte, mais bon. Bah, il avait l'information. Il disengage instantané. On n'est pas AFK shop pour Flandré. Alors revoyons le move bot. Le grab de Illisang dans les chompers m'a fait très très peur parce qu'en plus c'est lui qui prend l'aggro. Ouah. Et derrière il flash. Et on est juste à la limite de la prise d'aggro pour le reste. Clairement. Et je m'attends, ça aurait pu être encore plus catastrophique si l'aggro avait été prise. Ah, et là, il faut flash avant. Alors bon, il se prend la flash
de Tietje, mais... Et Tietje attend très très bien aussi pour son coup de fléau. Dommage pour le stun, si Stan était sous tour, il aurait pu trade kill. Mais ça n'a pas souri à Marek. Et là, timing niveau 6, sans flash pour le Victor. Et le R2 ne fera pas de dégâts. Il y a Razor comme embuscade. Il a son ex-flash, Razor, qui va tenter l'anti-dash. On n'a plus de Shroud du côté de Scout, mais Humanoid n'a pas la range pour assister aux dégâts. Pas de flash non plus. Après, Humanoid a maintenant une belle position pour freeze. Un Scout qui est low life, qui n'a plus d'ultime, qui n'a plus de flash. Normalement, le Victor est en bonne posture. Par contre, les Fnatic ont une wave qui push. Et Tietje est déjà là. Prêt à aller chercher Illicent, qui réussit à se repositionner. On essaye même de trade back pour les Fnatic. On va se retourner, on continue à mettre un maximum de dégâts. Le grab est très très bon pour Illicent. Meiko est pris à partie, mais le flash out et Razor va également utiliser le sien. Meiko qui va trouver une belle pelle. Le flash out d'upset, le flash out d'upset. Illicent qui va pouvoir reprendre un peu le trade qui tank. Et le stun, malheureusement, on n'a pas assez de DPS. C'était compliqué comme tentative de Razor. Aïe aïe aïe. On s'est vraiment bien retourné pour Meiko. Une superbe fan capitale qui force une purge. Et ensuite, un nouveau kill de récupérer pour les Edward Gaming. On va pas pouvoir plaquer pour Viper, mais on a un nouveau bon reset. Ouais, il arrive au premier abordage à se sortir un peu de la pète capitale. Le truc, c'est que Tietje est résistant. Et le début est pas si mal avec le grab. On va essayer de tout mettre sur Meiko. Tu sais, c'est qu'on a encore tout hein, du côté de DG. Oh. La clan, c'est quasiment instantané, mais il peut pas DPS. Upset, ils sont trop focus. Oh, le roaming d'Illicent, mais Humanoid n'est pas en position de l'aider. C'est tout de même un bon cancel back parce que là, il va pouvoir crash une wave complète d'Humanoid. Et on est sur un timing où le héros de la faille est déjà jouable. On a le décalage de Upset, on aura peut-être un sur. Oula, oula. Oh, j'ai eu tellement peur. Ah, pour moi, il y allait là. Après, il y a les tempêtes du chaos sur Humanoid. Il y a un move qui peut surprendre si c'est coordonné. On n'a pas l'information sur Tietje qui est dans ce buisson. Enfin, si, forcément, il est en train de taper une ward. Et on décide de partir au héros de la faille. Pour les Fnatic. Et en vrai, on ne laisse même pas Viper prendre des plaques vu que Wunder a fait le décalage complet. Ce qui veut tout de même dire que, à partir du moment où Viper arrive sur le top side, les Edward Gaming seront en supériorité numérique. Ouais, mais pour l'instant, Humanoid n'est pas encore là, il est en train de revenir de la mid lane. La Kali est en train de revenir aussi, le héros de la faille qui reset. Wunder qui est pas là. Je pense qu'il n'est pas jouable ce héros de la faille. Il va être abandonné, en effet. Peut-être va juste récupérer quelques gold. Ils peuvent essayer de le défendre avec Wunder qui est en train de bouger, mais ça s'est intercepté par Scout. Après, c'est pas être censé à ce moment-là de la partie, la Kali qui fait le plus peur. Oh, le blue buff. Ouais, on va arriver trop tard pour Razor qui a un ulti qui ne mènera rien, il va l'économiser. En plus, on a même une rotation dragon quasiment. Là, on commence à battre un peu de l'aile sur cette early game Fnatic. À savoir maintenant comment ils vont sortir de cette rotation. Vu que maintenant le Aphelios et le Nautilus sont au top et qu'ils voulaient faire tout ça pour poser le héros de la faille au top et donner des ressources au Aphelios, mais maintenant on se retrouve avec des match-ups bien différents et peut-être pas des match-ups souhaités par Fnatic. C'est un dragon perdu, c'est dommage, on a swap la bot lane pour jouer le timing héros de la faille, mais on était sur un timing reset d'Humanoïde et du coup maintenant on peut ni défendre le bot ni défendre le dragon. Et c'est un flash pour Razork sur cette fameuse rotation voilà, d'Edward Gaming. Allez Fnatic, ils ont un petit temps de retard et c'est la duo lane au top, a pas fait grand chose non plus, on n'a pas push contre Flandré. Non, et on va pouvoir récupérer toute la wave au top. On a déjà fait le swap lane. Viper et Meiko sont retournés au bot. Et on utilise une téléportation pour Wunder pour ne pas perdre trop de farm. Pour Fnatic, on s'est un peu fait balader là. Ouais, je suis d'accord. Petit cagole d'avance. Alors maintenant, on a un reset de Meiko. On a une trio mid. On a la Poppy qui est vers le bot side. Alors le problème, c'est qu'on a vraiment aucune vision du côté des Fnatic, donc il faudrait réussir à push du côté d'Isang et aller roamer pour mettre un peu de ward en profondeur pour aller checker notamment ce blue buff. J'ai l'impression que c'est du reset. Razor en tout cas est dans la rivière, mais il vient d'être vu par Tietje. Meiko fait également le décalage.
après le truc c'est qu'il sent qu'il voudrait y aller, mais il manque beaucoup d'infos sur des déplacements. Razor qui est toujours en train de protéger Humanoïde, hein. Qui va réussir à avoir son crash. Mais c'est Meiko et Tietje qui sont tout de même en position pour venir punir Upset et Illisang. Illisang, l'abordage et c'est bon, seulement en sécurité. Pas de peine capitale de Meiko. On va rester ici hein, pour Tietje, on va continuer d'appuyer sur le bot side. On a un petit niveau d'avance sur Meiko par rapport à Illisang. Ça pourrait jouer. Ça pourrait jouer dans la balance. Maintenant, on va avoir un 3v3 complet vu que Razork fait également le décalage. Alors, le grab, on va tout mettre sur le Thresh qui met sa box en plein milieu. Il prend très très cher Illisang. Le flash out, il va tomber instantanément. Upset, le clair de lune, ça fait pas du tout assez de dégâts. C'est un échec. J'ai l'impression de voir un remake de Fnatic contre Cloud9. On s'emballe en estimant mal et la tankiness de l'ennemi et ses propres dégâts. Et dans ce genre de composition teamfight, au bout d'un moment, c'est juste les stats qui parlent. Et là, Viper est bien devant. Quoique, il est que 300 gold de devant, mais cet écart va prendre un tournant très sévère entre les deux AD carry, vu que Viper va récupérer une tour complète là-dessus. Quoique, il va juste mettre une auto, prendre deux plaques et reset. C'est dommage, ça donne vraiment un goût amer, parce que c'est vraiment Fnatic qui initie les moves et qui a une mauvaise vision, je pense, de ce qu'ils peuvent faire. Et du coup, ils s'empalent parce que là, ils l'ont. Meiko avait tout et Illisang se fait instant. Il a même pas le temps de mettre son reset d'auto-attaque sur Tietje. Razor qui a pas les dégâts non plus. On voit que le clair de lune de Upset, bon bah c'est pas encore ça. C'est un Phelios qui a même pas fini son mythique. Contre, en plus en face, il y a le Kraken qui a été terminé maintenant. Ouf, voilà la différence au bot fait mal. Là, on ne peut plus jouer de ce côté-là pour les Fnatic. Et sur le top side, on a déjà le pourfendeur divin. Et avec tous ces kills sur la Sejuani, on a également la cape solaire. On a les 4 mythiques à 13 minutes pour EDG. Quoi ? Ça fait mal. Nouvelle. Puis un dragon aussi qui va être probablement facile à récupérer pour EDG. Ouais, mais là, l'équipe chinoise a 2 minutes complètes où ils sont les rois de la carte. Même si l'écart au gold n'est pas massif. L'écart en stuff est injouable pour c'est les Fnatic. C'est pas mal déjà, 2300 gold avant les 15 minutes. C'est vrai. Quand même. Tu joues Fiora, Akali, Jinx, je ne sais pas, Wunder qui tout d'un coup va commencer à gagner le match contre Flandre au top. On n'a pas réussi à trop gank sur Scout. Il y a assez peu de signes qui ne sont pas inquiétants qui nous proviennent de Fnatic. Bon là par contre, Tietje est peut-être un peu trop avancé. C'est non, il y a une lanterne. Oh, on se retourne sur Illisang, il a sa grenade ASM, il aura même pas le temps de l'utiliser. L'interception de Scout sur Razor qui va mettre l'anti-dash et partir. Et une quatrième mort pour Illisang. Ouais, et Razor qui va se faire attraper par Scout. Hein. Le midlaner Edward Gaming qui va prendre la vie de Razor. Encore une nouvelle peine capitale qui force un flash. Humanoïde sur le côté qui va forcer le flash out de Scout. Qui va forcer le flash out de Tietje. On est parti trop loin pour les Edward Gaming et on va être raccompagné par les carry Fnatic. Ouais, mais plus de peur que de mal. On perd personne dans cette opération. On continue de prendre des kills. Humanoïde, ouais, qui va pouvoir dégager un petit peu. C'est bien, il gagne du temps pour essayer de push, pour crash une vague. De toute façon, maintenant qu'on est autant derrière, il faut toutes les petites victoires sont bonnes à prendre. Et on va revoir cette tentative. Avec Razor qui est arrivé, ils se sentaient peut-être en confiance, mais à ce timing-là, ils ont tellement pas envie de jouer le 3v3. Surtout que c'est facile à viser un Nautilus qui vient de lâcher son encre dans le mur. Ah oui, c'est... Il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir le louper. Ils ont pas les dégâts, ils jouent trop de moves. Le sidestep de Razork sur le cul d'Akali. C'était super. Était vraiment beau. Razork, il fait tout ce qu'il peut. C'est clairement pas suffisant. Pendant le replay, la tour bot est tombée. Ou alors, je sais pas si c'était la conclusion du move précédent, mais en tout cas, première tour de la partie a été pris par les Edward Gaming et on a maintenant positionné la Jinx à la mid lane. Perma push, on peut bouger sur les sides très rapidement et entre les deux sides. Il y a un petit héros de la faille, incontestable par Fnatic. Ouais, c'est gratuit à partir du moment où Upset part de la fontaine. Et du coup, il faudra probablement encaisser la perte de la T2 avec ce héros de la faille.
Elle est vitale cette T2, hein. Faut que les Fnatic ils s'y accrochent. Parce qu'après quand ils vont commencer à devoir subir le 1-3-1 contre Akali Fiora. La Fiora qui n'a absolument pas été dérangée, la Akali qui sort plutôt pas mal de lane. Le 1-3-1 va être menaçant. Bon, les Edward Gaming ont tout de même cancel le héros de la fight vu qu'ils n'avaient plus l'information sur Wunder et qu'ils n'avaient pas de téléportation sur leur Fiora. Donc il y avait un timing dans lequel ils pouvaient se trouver en 5v4 autour du héros de la fight. Ils ont préféré cancel et jouer complètement safe. Et dès que le Dragas s'est remontré bot, ils reprennent le héros de la faille et le prennent sans encombre. Bon petit moment juste de respect de l'information qu'ils avaient. Et 2 minutes avant le prochain dragon, alors est-ce qu'on a quelque chose à faire du côté de Fnatic? Jouant en cross-map par rapport à la Akali, mais là on a 5 complètement bots. Open la mid lane. Waouh, 5 bots. Je comprends pas. Personne mid. Ils sont pas dedans la Fnatic. Est-ce qu'on peut finir sur la faille? On peut pas upset la cleanse automatique. Razor qui s'emballe peut-être un peu, puisque Razor se fait complètement contrôler par ce Thresh. Il se fait traîner dans la boue, il se fait traîner au bout de ce crochet. Et un mort, Illisson va le rejoindre aussi. C'est une débâcle. C'est une hécatombe. C'est de mal en pis pour les Fnatic qui n'ont qu'un seul petit kill, qui se font balader. Les matchs retour de Fnatic font très très mal à voir. La fameuse Fnatic semaine 2 n'aura pas lieu apparemment. Hey, normalement on est en droit d'attendre de Fnatic des miracles en deuxième semaine. Après, leur première semaine était au final en play-in, leur deuxième semaine était les matchs aller. Autant dire que là, ça semble tout de même très très difficile pour les Fnatic. Je crois pas. 5000 gold d'écart à 17 minutes. Faut une masterclass d'upset s'il arrive à survivre à un fight. Il va falloir qu'il soit accompagné dans la protection. Donc Wunder, qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup voir encore dans cette partie, va devoir bien le protéger. Le truc, c'est que Razork, il a beau y aller et mettre des bons combos sur Viper, il y sent que pas grave parce qu'il y a tous les creeps devant lui. Upset se fait zoner par une CJNI qui est à 5-0, donc qui est absolument tuable pour un Aphelios dans ces conditions. Le teamplay des Fnatic a disparu pendant les 2 jours de pause. Je tiens à dire tout de même, pendant le replay précédent, le teamfight de Illisang s'est flash in et il n'a lancé aucun sort et il n'a pas mis d'auto-attaque. Donc bon, il a juste flash vers la mort. Alors, son Nautilus, on sait qu'il peut avoir des résultats un peu aléatoires. Moi j'ai mis dans mes pick dev Nautilus qui meurt le plus et je comptais sur Illisang. C'est assez smart. Mais la Leona a été beaucoup trop plébiscitée pour l'instant. En tout cas, les Edward Gaming ont envie de continuer. Il y a un dragon à jouer et ils sont autour de ce dernier avec une vision qui est déjà très propice à pouvoir l'engager. Et les Fnatic se dirigent vers le top side, là où il n'y a qu'une T1 à jouer. Là, ils peuvent pas jouer le dragon de toute façon. On va juste essayer de récupérer la vague qui est en train de pousser Scout. Là, faut prendre de la ressource, hein. Faut gratter, faut regarder un peu partout tout ce qu'on peut ramasser côté Fnatic. Mais là, Wunder, il est dans une situation compliquée. Hein. Mm-hmm. Il sait qu'ils sont 3 et la mid lane a également été abandonnée. On va perdre 2 T2. On va perdre 2 T2 sur ce timing parce qu'une Jinx, ça punit vite sur une tour et ça a déjà été pris. On arrive à défendre la T2 bot. On a toujours Upset qui est en train de split, en train de prendre un peu de retour, de ressources. De toute façon, c'est notre seul espoir, hein, c'est que Upset arrive à 3 items dont une IE, un ulti, on va y aller. La téléportation, mais on n'a pas la décarie, on n'a pas de dégâts si on n'a pas la décarie. Et Flandre va revenir, la tour est tombée, petite riposte qui est là pour slow Illisang et pour permettre à Viper de mettre une auto-attaque supplémentaire. Pourquoi ils le tentent, ils ont pas le DPS. Le baril était bon, mais c'était vide derrière. C'était complètement vide. Et là, sur ce bac, Tieti a déjà sa Warmog. Qui tue Tieti? J'en ai aucune idée. Personne pour l'instant. Mais... vraiment personne. Il est littéralement immortel. Ouais. Il peut faire ce qu'il veut en front lane. Personne ne pourra l'arrêter avant le troisième item du Aphelios. Et un peu plus de temps sur ce Victor. Mais à part une défense miraculeuse de Nashor. Ah, adieu Humano. Oh, la TP qui fait du bien. Oh, R2 Wunder. Out, hein. Oh, il va s'en aller, Scout. Mais
Sans cette TP, Humanoïde était probablement mort. Alors du coup, c'est un Baron Nashor qui est entamé. Je suis pas sûr qu'ils aient le DPS actuellement. Ouais, mais Razor qui est vu également. Upset est là. Ils sont 4 botside, les Fnatic, téléportation. Il n'y a qu'il y sang. Il n'y a qu'il y sang pour contester ce bar. On a short, l'ulti Poppy a été raté. On tente. Mais ça ne passera pas. Oh, le Nashor est sécurisé par les DJ. Il est arrivé de scout sur Razor. Et au moins, ça ne sert à rien de chase pour les Fnatic. Vous pourrez même se faire turn. Flandre va s'en aller. Et on n'aura absolument rien défendu. On s'est laissé bait par une agression de scout sur Humanoïde. Aïe. On est dans le dur. C'est... Apparemment ça... Je sais pas s'ils ont beaucoup scrim dans les quelques jours de pause qu'ils avaient, mais ils auraient peut-être pas dû. Bah oui, finalement, c'est en arrivant détente la veille de l'événement, au talent. Voilà, et Fnatic c'est une équipe qui marche au talent. Qui marche au talent, au feeling. Et là, réfléchit peut-être trop, peut-être pas assez. Un mélange des deux. Mais ouais, les matchs retour, forcément, n'ont pas grand chose à voir avec les matchs allés. Et si y a pas de ici. Et si c'était au tour de l'Europe de faire 0-9 dans les matchs retour. Peut-être. Je pense qu'à la fin on finira toujours avec plus de points que les NA, mais... Oui, clairement, largement. Largement. Mais pourquoi pas. Là, je peux pas croire que les Rogues vont faire un 0-3 sur leur match retour. Je n'y crois pas non plus. Ouais. Je n'y crois pas non plus, mais... Et G2, c'est quand ils sont au plus mal qu'ils sont au mieux. Qu'on a dit Fnatic aussi au début de ce match. C'est plus vrai pour G2. C'est plus vrai pour G2. Attention, nouvelle tentative de DG, mais cette fois le grave d'Ilisang est excellent. Et ils ont récupéré un kill sur Meiko. Superbe. Confetti et Serpentin. Mais il va falloir aller gérer la Fiora de Flandre sur le bot side. Alors 3 contre 4, on peut le tenter. On aurait pu essayer un abordage pour Yisang. Mais je pense que effectivement Viper protégé par TT fait extrêmement peur. Surtout que enfin, si cette Sejuani se met en frontline, personne. Voilà, une auto-attaque. Et en vrai, cet abordage peut bouger. Là, il faut de l'IE, il faut du Dominique. Il faut beaucoup de choses hein, pour upset. Ouais, soif de sang, Dominique. Et après, on pourra commencer à taper la Sejuani. Mais il est clairement pas tout de suite arrivé à destination. Bon, les DG vont jouer un peu serein. Il y a un petit dragon à aller faire d'ici une cinquantaine de secondes. On a tout de même récupéré une T2 sur le bot side pour Flandre. Donc petite mission accomplie pour ce premier Baron Nashor. Je me demande si on a pris une T2 du côté de Fnatic sur les matchs retour. Parce que quitte à suivre le chemin de l'Amérique du Nord sur les matchs aller, autant le faire bien et pas prendre de T2 non plus. Contre C9, je pense pas. Je suis pas sûr. Hein. Contre T1. Je suis pas sûr. Non, ils ont pas dû en avoir Attention, une. Hein, c'est... C'est... De toute façon, là on va se retourner vers le chat. On s'est peut-être trop moqué, c'est le karma qui nous punit pour nos mauvaises actions et notre mauvais comportement envers nos confrères. Faudra faire la même danse. Si on termine en 0-9 sans tour, faudra faire les mêmes danses qu'on a fait pour les NA. Mais on compte sur vous le chat pour savoir si une T2 a déjà été prise. En tout cas, le prochain dragon semble tout de même compliqué à jouer pour les Fnatic. On n'a pas encore la position, mais on va essayer de traverser par la mid lane pour espérer pouvoir jouer un teamfight. Allez, le copium européen, c'est maintenant. Regardez. Et ici, on en a besoin. Le baril de Wunder. Le gros coup de bidon de Wunder. Ah non, c'est plutôt top, c'est plutôt bot. Il y a la situation. Oh, upset est vu. Oh, upset est fini. Upset, il a sa cleanse, il a son flash, il a encore sa cleanse, mais il va être maintenant flanqué par Scout et il tombe, on n'a plus de DPS, il ne reste plus qu'Humanoïde qui va le rejoindre dans la tombe. C'est encore une fois un nouvel échec. Le flank de Scout était absolument parfait pour Edward Gaming. Ils ont laissé le piège à ours ouvert autour du dragon et les Fnatic ont mis les deux pieds dedans comme s'ils sautaient dans la marelle. Ah ouais, même ils ont fait un plongeon à la tête la première. Ah là... Ils ont tout mis. Ils ont pris ce piège à loup, ils en ont fait un chapeau. Et du coup, est-ce que c'est pas une T3 qui tombe sur ça? T3 et c'est une Jinx en vrai. Ouais. Ah non, on n'a pas. Tout de même, 5 secondes avant upset. Meiko est juste là pour mettre une petite lanterne si jamais Viper a envie de faire la rotation vers la mid lane. Bon, soyons très honnêtes, il nous reste encore un peu de temps pour faire notre deuil de Fnatic dans ces Worlds. Voilà, mettez-vous en condition. Préparez-vous. Tranquillement accepter la vérité. Parce que là, après cette game, si
Si elle se finit comme elle a l'air de s'engager, les EDG et T1 auraient lock les deux premières places du groupe. Exactement. Et après, ça se jouerait peut-être éventuellement un tie-break entre ces deux formations. Et c'est ce qu'on veut. Pour le spectacle, pour le beau jeu, plus de matchs, ou au moins un peu plus d'adversité pour des EDG qui s'étaient fait clap en 22 minutes au match aller. Scout, il a un ultime. Hein. Il est très très serein. Ultime et flash. Oh, c'est reparti. Et c'est reparti. On va tout mettre sur Razor qui arrive à se repositionner. L'ulti de ce dernier pour isoler les carries et les tanks de EDG. C'est pour survivre. Uniquement, on ne tirera aucun avantage de cette situation et on est en train pour EDG d'attendre patiemment le Baron Nashor. Oh là là, il y a une IE de plus pour Viper. Oh. Elle cogne cette Jinx. Elle nous ferait du bien cette petite IE en plus dans le set d'upset. Ah ça... Ça met très bien, en effet. Mais il doit d'abord faire un Dominique. Et là le truc c'est qu'il va au bout d'un moment avoir un anathème positionné sur sa tête vu que Tietie est déjà en train de le commencer. Et regardez-moi cette vision parfaite sur le top side pour Edward Gaming pour jouer un baron très très tranquille. Les Fnatic ne voient rien. Mais les Fnatic savent. Ils peuvent pas. Ils ont beau savoir ce qui est en train de se tramer. Eh bien, ils n'y peuvent rien. Et c'est sécurisé peut-être la dernière place pour la victoire de EDG. Après, il y a encore une âme océan à jouer. Ça m'étonnerait que EDG ait envie d'appuyer très très fort pour finir le plus rapidement. Ils vont prendre leur temps, hein. Normalement ils sont bien devant, à part un teamfight en 5-0 par une engage fabuleuse de Tietie. Et les Fnatic vont tenter quelque chose. Alors Illisang, tu as 7 niveaux de retard avec Flandré. Tranquille. Ne la touche pas. Ne la regarde même pas. De roquette. Razor, il a pas de flag. Grab. Oh, Illisang qui va. Adieu, Illisang. Ravi de t'avoir connu. Et les Edward Gaming vont s'avancer vers la victoire. Fnatic sera bientôt hors de ses championnats du monde sur un score de 2-4. 2-4. On 2-1, y a cru. Match aller, 0-3 ouais. Au match retour. C'est terrible. Ils avaient pourtant fait une bonne impression. Mais ça ne passera pas plus loin. On va tenter de jouer la fin de la game pour les Edward Gaming avec sa supériorité numérique. Flandré qui revient, 3 items complets pour cette Fiora. 2 canons et Upset. Upset qui a un rêve, qui a un espoir. Mais il ne fait juste pas de dégâts. Et ce sera les tours sous pression, l'inhibiteur robot qui va tomber aussi. Les creeps qui assiègent complètement la totalité de la base des Fnatic, les Edward Gaming qui ne prennent aucun risque, on va tout récupérer et on va essayer peut-être de faire le push final. On n'est pas obligé de s'en parler, on pourrait même faire un back. Mais bon, on est tellement devant. Oh, ils sont tellement bien, il y a la wave top qui va arriver également. Un nouveau grab tenté par Illisang, mais un nouveau grab réussi par Meiko pendant que Viper enchaîne les roquettes. Un nouveau kill récupéré par Tietie qui avec sa C joignit les emmagasines. Et les Edward Gaming viennent planter le dernier clou dans le cercueil des Fnatic. 2-4, c'en est terminé pour la première équipe européenne. Terrible, terrible pour nos Fnatic, mais mérité pour Edward Gaming et T1 qui ont été bien meilleurs. Ouais, Marek qui est en vacances jusqu'à la prochaine saison. Nous n'avons plus que 2 équipes européennes en lice. G2 et Rogue. G2 en 1-2, Rogue en 3-0. Il y a toujours des espoirs bien réels pour les équipes européennes. Et dans ce groupe, c'est bien Corée et Chine qui sortiront. Il laisse une place au milieu pour Scout, qui est à l'arrière, mais qui a nous fait. Ça fait de nouveau une bonne game d'Akali. Mais ça s'est principalement joué au bot. Ah oui, il n'a pas été dérangé, mais. Ouais. Il sent qu'il nous fait vraiment de pas très bons words. 0-7 dans sa dernière game. Et ce Nautilus qui n'aura pas fonctionné, les très bons ganks, la CJNI qui s'envole, qui devient intombable, les focus. Et comme contre Cloud9, hein, on joue des trades, on joue des agressions qui sont dures à gagner. Et du coup, eh bien,
on donne des goals très tôt dans la partie sur des mauvais choix ou des mauvaises exécutions. Et ça snowball sévèrement. Petite note pour Flandre tout de même, encore une game de Fiora et il l'a bien appliqué. Ah bah il est pas dérangé, hein. Non, il n'y a pas un gang de la jungle. C'était contre un Gragas. Faut y aller pour perdre ce match-up en 1v1, mais non, ça s'est joué bien avant sur tout le reste de la carte. Ouais. Viper et Meiko auraient été meilleurs que Upset et Illisang. Kietie était trop devant en tout cas, c'est ce que nous avons vu, mais on va voir ce que l'analyse desk a à dire de ce match. Les gars, c'est à vous. Eh bien, tout ce que nous avons à dire, messieurs, c'est qu'il y a 3h30, nous étions encore naïfs, pleins d'espoir. Et en si peu de temps, eh bien, la première équipe, premier représentant de l'Europe qui sort de ce championnat. Alors, bien sûr, c'est l'émotion, c'est une clim colossale en réalité, puisque les Fnatic avaient réalisé trois premiers matchs si convaincants, Tréton, Marek. On était positif, on était quasiment sûr que on aurait au moins droit à des tie-breaks et à une bataille digne de ce nom. En fait, on était sûr qu'ils allaient battre C9. Et s'ils avaient battu C9, il y aurait encore potentiellement un petit peu d'enjeu. Malheureusement, voilà, il y en a plus du tout, puisque pour Fnatic, c'est juste fini. Et ouais, c'est dur de trouver les mots. Et j'ai particulièrement mal au cœur pour Illisang, parce que je ne l'ai jamais vu aussi mal performer à des Worlds. Et là, il a vraiment, vraiment pas fait une bonne game, j'ai l'impression. Ouais, on va avoir les moves qui vont s'enchaîner assez rapidement, puisque nous aurons une interview de reporter Bubu à vous proposer, tandis que je me permets de dire, puisqu'on m'entend avec la télévision dans le caster desk, de dire à nos chers collègues de baisser de volume, parce qu'on les entend en fait d'ici et que ça me perturbe. Mais du coup, ce match-là, messieurs, alors la draft, on revient pas spécialement dessus, on a été sur de la signature, hein, jusqu'au Gragastop, bien entendu, Akali. Encore une fois, un trash de jouer, c'est certainement ça. L'événement de ce groupe, c'est le nombre de trash, est inexplicable. Meiko, toutes les interactions de Nautilus, toutes les interactions, le match-up, il le connaît parfaitement. Il joue trop trop bien son trash. Honnêtement, je comprends pourquoi il le pique. C'est la seule équipe qui le pique aussi régulièrement, parce que c'est son troisième. Le mec est trop fort. Comment ne pas être fan de Viper Meiko? Ouais, tout à fait. Ils ont été excellents dans cette botlane, notamment sur la game d'avant contre les Cloud9. L'équipe n'était pas non plus au max, mais ils ont vraiment, vraiment show-up. Et les EDG qui nous montre un petit peu vers quoi la méta se dirige en red side, c'est vraiment voilà, on sort la Yumi, on sort le Azir, on draft avec ce qui reste et chaque équipe essaye de sortir sa petite touche. On a par exemple ici un Gragas au top du côté des Fnatic, le Thresh qui est sorti deux fois par les EDG et la Akali qui semble maintenant avoir énormément de poids quand les Azir sont retirés dès la première rotation de bail. On a vu Scout faire de très bonnes games avec. Et ces idées du côté de Fnatic, peut-être un mauvais reads une fois que Azir est ban de first pick Victor, un first pick qui apporte rien dans les deux games. Il a pas mis de pression véritable en lane, en teamfight il fait pas les dégâts qu'il faut. Il y a trop de perturbations qui viennent de la jungle pour jouer le Victor Akali dans le pur 1v1 finalement. Il y a peut-être de ça, mais aussi je trouve qu'il met pas non plus en difficulté la Akali. Akali est plus fort dans toutes les escarmouches en early, donc je suis pas convaincu par le Victor quand Azir est bas. En tout cas pour Humanoid ça a pas très très bien marché. Après je te rejoins, hein. Fnatic, il n'y a pas grand chose qui marchait, donc est-ce qu'on peut mettre vraiment sur une seule personne? C'est compliqué. Non, bien sûr, ça a complètement snowball, mesdames et messieurs, je pense qu'on est tous d'accord. Là-dessus, à partir de la défaite contre C9, la qualité du jeu Fnatic a été en chute libre, tout simplement. Ouais, bah ils ont été chamboulés un petit peu dans leur manière de draft, avec Vasoazir qui était toujours ban contre eux, finalement, et derrière, dans le gameplay, il y a eu à peu près les mêmes problèmes qu'il y avait un peu eu la fois passée, sauf que les autres équipes en face, elles, se sont un peu plus transcendées, j'ai l'impression. Et du coup, ça a coûté cher au Fnatic. Et derrière, forcément, commencer par une loose contre Cloud9, derrière, ça rend la relève d'autant plus difficile. Quoi. Derrière, tu sais que tu dois aller vaincre EDG, T1, qui eux... S'il y avait eu un bon résultat sur le premier match, peut-être qu'on aurait été dans une dynamique fondamentalement différente. Mais ouais. Bon, on ne va pas refaire, bien entendu, la journée. Ces choses faites désormais. Les Fnatic sont sortis du championnat du monde 2022. Ils ne donc sortiront pas des group stage comme c'était le cas l'année dernière. Et c'est un événement assez rare, en réalité, dans l'histoire du club Fnatic. On aura l'occasion de revenir dessus, bien entendu, ultérieurement. Maintenant, bien sûr, on continue sur la résolution de ce groupe A. Le prochain match va opposer les Cloud9 au T1, mesdames et messieurs. Donc, une affiche qui, sur le papier, est déséquilibrée. Mais sait-on jamais, on partait de ce principe-là aussi pour le C9 Fnatic. Et pour l'occasion, notre reporter very spécial, Bubuzor, bien sûr, est à New York et a réussi à récupérer quelques mots d'un top laner extrêmement talentueux de T1. C'est bien entendu Zeus au micro de Bubu. Bubu, c'est à toi avec décalage.
Et nous sommes à New York, en direct du Madison Square Garden, et je suis avec the top laner de T1 après leur victoire contre Fnatic. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. I want to talk about the game versus Fnatic because you managed to bounce back here in the second round, Robin. So talk me through your approach and your understanding of the team. 이번 경기는 Fnatic에 복수 성공한 만큼 어떻게 접근법을 좀 다르게 가져왔고 지난번 경기를 통해서 어떤 걸 좀 배우셨나요? 일단 지난번 경기는 제어 개인적으로는 좀 제가 방심했던 그게 좀 많았어서 그냥 상대방을 좀 존중해준다 그런 느낌으로 좀 플레이하려고 했고 그리고 예 그렇게 했습니다. So I want to say last game actually I feel like I got caught off guard, you know. So this time around I really wanted to respect them as a really strong opponent. I see. And even so, playing Yone and Flashy Champions, I want to talk about the approach from T1 and the changes we've seen in drafts. How did you benefit from the past 2 days of screaming and getting ready for the second round, Robin? And do you feel more comfortable now as a team? 그래도 오늘 여전히 요네라는 또 화려한 픽도 등장했고 T1이 전반적으로 조금 뱀픽적인 접근법을 좀 달리 가져온 것 같습니다. 지난 2, 3일간 쉬면서 어떤 식으로 준비하셨는지 궁금합니다. 일단 세주아니를 저희가 썼을 때 세주아니 플러스 뭔가 근거리 브루저가 좀 생각하다가 요네가 좀 선픽도 잘 해보면 괜찮을 것 같아서 그거를 좀 준비했던 것 같고 그래서 오늘 한번 써보려고 했는데 결과가 좋아서 다행인 것 같습니다. So we actually were going through what's a good pick together with Sejuani jungle. And then we were like, we need some melee bruiser champion. And I thought like, Yone is actually pretty good kind of blind pick champion. So we were like, let's give it a shot today. And it worked out really well. It worked out really well. Indeed, I want to talk about you, Zeus, because you are one, if not praised as the best top laner here at World Championship. What do you think of this statement and the expectations coming towards you? 이제 제우스 선수가 지금은 거의 세체 탑의 포스를 품고 계십니다. 이런 평가에 대해서는 또 어떻게 생각하시고 본인 생각은 어떤가요? 일단 그런 칭호를 가지기에는 아직 좀 남아있다고 생각하고 앞으로도 더 좀 발전을 많이 해야 될 것 같습니다. Well, I don't think I deserve that title yet, so I think I have to show a lot more and I have to keep working hard. All right, humble. As often, last question for you. You have C9 lined up next. But also EDG, which I think is going to be a really important matchup for you guys. Anything you can tell me about these two opponents? 이제 다음 경기는 C9 그리고 EDG 경기도 기다리고 있는데요. 굉장히 중요한 경기들입니다. 어떻게 보고 계신지 한마디 부탁드려요. 일단 C9 경기 앞선 Fnatic 경기 했을 때 보니까는 되게 어떻게 잘하더라고요. 그래서 좀 경계가 많이 됐고 EDG는 뭐 다 알다시피 작년 우승팀이기도 하고 롤드컵. 그래서 그냥 이게 두 경기 텀 있으니까 좀 잘 분석하면서 잘해야 될 것 같습니다. I mean, we watched C9 playing against Fnatic earlier and they were so good. So I'm kind of scared. And also, speaking of EDG, they're world champions. So, you know, we have two more games to kind of watch. So we're going to analyze them and prepare for the upcoming games. And looking forward to see these matchups, of course. Cheers. 인터뷰 감사합니다. 감사합니다. 파이팅 하세요. 감사합니다. G-san, thank you so much for the translation. Et de retour à vous en France chez OTP. Merci beaucoup reporter Bubu, merci à Jason bien sûr et à Zeus pour cette interview. Allez, directement sur place, mesdames et messieurs, c'était incroyable les travaux qui vous sont proposés. Donc bien sûr, retour sur les questions qui ont été posées à Zeus, hein, bien sûr, Maestro sur Yone, pas spécialement prémédité ce Yone top, il fitait bien, on cherchait des solutions avec Sejuani, on a un petit peu peur de Cloud9 parce que bien sûr cette interview a été réalisée après la victoire de Cloud9 sur Fnatic, donc Zeus a parlé de cette équipe avec voilà, un petit tremblement dans la voix et bien sûr pour les DJ, moult respect en tant que champion du monde en titre. Et en plus de ça, il n'est pas coquille, notre ami Zeus, comme il est vu comme étant l'un des maestros, l'un des meilleurs top laners de la ligue, il dit « Ah non, je ne mérite pas encore, ce sera peut-être pour plus tard si jamais je joue bien ». Ouais, très humble, il demande aux gens de laisser voir la suite, il a encore beaucoup à montrer et à prouver. Et très sympathique interview de sa part. Le petit Piquionnet aussi, il a dit il fallait un truc qui carry, un truc qui peut se faire blind pick. Le Yone, c'était le moment. Et en vrai, si jamais vous avez raté la game, il a été excellent dessus. C'est absolument incroyable. Donc, on remercie encore Bubu qui va continuer, bien sûr, à vous récupérer de superbes interviews pour le broadcast français. On le remercie bien chaleureusement, mesdames et messieurs, avant de marquer une courte pause pour eh bien, nous accompagner, vous accompagner vers le Cloud9 contre T1. Qu'est-ce que tu fais, très fort ? Vous êtes en train de vous faire des trucs de gamin, vous deux. Alors, non, moi, je n'ai rien fait. Je vais rien dire. Le code de RP, mesdames et messieurs, comme chaque jour dans le championnat du
du monde. Vous copiez, vous collez sur le lien Prime Gaming qui est spammé dans le chat. 150 000 RP, c'est 1000 euros de RP tout simplement. C'est le cas chaque jour de diffusion. J'ai vu ce que tu viens de faire, Tréton, et c'est honteux. Et attention, parce que sinon tu vas être à la station steak haché dans pas très longtemps. Mesdames et messieurs, on vous souhaite bon courage pour le tirage au sort. Force et réussite à vous. Et rendez-vous dans quelques instants pour C9 versus T1. Ha ha ha.